Bah, Stellar Runabout. Bonjour capitaine, on est bien content de vous revoir. Bonjour numéro 1, ça fait plaisir. On est sur le point de s'amarrer à la station. Alors ces vacances à Ferenginar, c'était bien ? C'était un peu pluvieux, c'était pas terrible, mais bon, c'est des vacances. La prochaine fois, je vous l'ai dit, je retournerai sur Ryza. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver à destination. La température en ces lieux est de 42 degrés, pour un taux d'humidité de 95%. Sacrée station spatiale. Who are you looking for? Bruce Maddox. I found him. We must extract him. Are you serious, sending us down there looking like this? We really need to sell this. We need to show a little panache. You're killing it. Something's not right. An ambush. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Nous voilà déjà à mi-parcours du voyage avec 5 épisodes diffusés sur les 10 avec l'épisode Aventure à Stardust City, qui marque à lui seul le retour de 3 anciens personnages, dont 2 recastés. Pour en parler aujourd'hui, nous changeons aussi un peu de casting avec le retour du capitaine Manu qui nous revient tout juste de Ferenginar. Bonjour capitaine. Bonjour numéro 1, ravi de vous revoir. Jay, le compagnon de route de notre bon capitaine et ancien membre du réseau Arts, plutôt nouveau venu dans l'univers de Star Trek, salut Jay. Salut. Et bien sûr, la toujours radieuse lieutenant Marina, salut Marina. Bonjour à tous. Alors, on n'est pas radieux nous du coup. Pardon ? On n'est pas radieux du coup. On n'est pas radieux et moi j'ai pas de grade non plus. Tu vas être lieutenant ? Non, je vais être pilote Jay moi. Tu vas être lieutenant, attends. Ouais. Donc tu peux être un lieutenant vulcain qui s'appellerait Jay. En plus ça fait un peu vulcain quand même. Tu rajoutes un petit T, Jay. Ou Tchèque. Là, ça fait Vulcain. Vulcain de l'Est de l'Europe, quoi. C'est ça. Bah, du coup, justement, Jay, toi, tu vas pouvoir nous raconter ton premier contact avec Star Trek. Ça fait longtemps que tu connais la franchise. Oh, c'est exceptionnel ce que tu viens de me dire, puisque mon premier contact avec Star Trek, c'est premier contact. Ah, je m'en doutais. Ouais, comme t'es trop fort. Alors, j'ai pas une aventure très commune avec Star Trek, je vais pas vous le cacher. En revanche, effectivement, j'avais été voir Premier Contact au cinéma il y a de ça beaucoup d'années. J'ai un souvenir très vague de l'histoire, mais à part cette image ultra emblématique de Capitaine Picard, enfin Picard avec en Borg, quoi. C'était assez stylé, je me rappelle encore mieux de la bande-annonce limite que du film. Et ouais, j'ai pas trop regardé depuis, j'ai vu les films d'Abrams, entre guillemets. J'ai vu une partie de la série Discovery de la saison 1. C'est vrai qu'on avait regardé le pilote ensemble. Ouais, et je me suis lancé dans Picard en me disant, bah allez, vas-y, on va accrocher un petit peu les wagons et puis on comprendra les références qu'on comprendra. Et sans les comprendre, je vois quand elles arrivent, parce que c'est un peu... c'est pas tout le temps super subtil. Il y a des grosses ficelles. Mais ouais, donc je m'y suis mis comme ça, cette petite série, un peu au pif. Ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un newbie complet, quasiment. J'espère que c'est intéressant. Bah, c'est intéressant pour savoir rien que... parce que moi, c'est quand même une question qu'on se pose, parce qu'elle est quand même ultra référencée à énormément de choses dans Star Trek, et donc on se demandait quand même, bon, même si on se doute un peu de la réponse, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à Star Trek peut rentrer dans le Picard ? Est-ce qu'il peut adhérer ? Est-ce qu'il peut comprendre l'histoire et puis aimer la suivre, du coup ? Ça s'est un peu passé par étapes. Là, on est à 5 épisodes, et le premier m'avait carrément accroché. Comme je te disais, c'est les références, j'ai pas besoin de les avoir, je sais quand elles sont là la plupart du temps, on va dire. Je pense, à mon avis, à 80%, je sais quand c'est une référence à un élément à l'écran, ou à l'arrivée d'un personnage ou quoi que ce soit. Après voilà, je suis pas non plus... je suis assez familier quand même du casting en général, pour avoir vu des photos, des équipages, que ce soit Voyager, Enterprise, toutes les séries qui ont été. Et du coup, pour les personnages, je les reconnais, certains, je vois les trucs arriver. Après... l'épisode 1 ça allait, après plus tard je trouve que justement les highlights de certains épisodes sont un peu les venues d'anciens personnages ou d'anciens éléments de Star Trek, et je trouve ça un peu dommage de baser tout un petit arc là-dessus. C'est... Parce qu'en fait toi t'as le sentiment que toute l'attention, tout l'intérêt de la série il réside presque là-dedans en fait ? Pas de la série, mais certains épisodes ouais. Comme par exemple celui d'aujourd'hui ? Non, à la limite celui d'aujourd'hui m'a plus distrait, donc ça allait, j'avais quelque chose à regarder, j'étais pas nu, néophyte que je suis avec ces références là. Ce qui est arrivé quand même dans l'épisode 2 et 3, je crois, si je dis pas de bêtises, où je me suis le plus ennuyé. Bah c'est objectivement les moins bons. Ouais, et du coup non, le 1 et le dernier, ça allait. Et celui de la semaine dernière, non ?
Celui de la semaine dernière, j'ai trouvé ça un petit peu grossier, le travail de Réal, de machin, sur cette fameuse planète. Vishta, c'est ça ? Vashti. Je trouve ça un peu, justement, t'invoquais ça tout à l'heure, un peu CW, quoi. Wow, quand même. Carrément. Ah, carrément, ouais, non, je vous jure. Pour dire, il y a un peu de soleil, alors on te fait une lumière complètement saturée comme ça, c'est bon, je comprends, avec juste un petit peu de soleil, en fait. Je suis pas idiot sur la photo, ouais, et puis même le... Parce que dans la réelle, quand même. Les dialogues et comment Picard, il arrive à chaque fois à cet endroit-là, bon, je passerai mon avis sur un Patrick Stewart qui tient pas debout, mais... littéralement, hein. Mais ouais, je trouvais ça un petit peu le champ contre champ sur deux scènes différentes qui doivent normalement avoir une tension différente et qui sont filmées exactement de la même façon. Ça m'ennuie de voir ça quand des gens se prétendent pouvoir faire des séries, tu vois. Mais après, oui, c'est pas sans faute, mais c'est pas désagréable non plus. Je trouve cet épisode en termes d'histoire plus intéressant que d'autres. Malheureusement, ouais, assez mal réalisé. Mais je te trouve un petit peu dur. Je vois ce que tu veux dire, mais quand même, là. Là, je trouve que t'es un petit peu dur parce que, bon, c'est de Jonathan Frakes, justement, c'est le réalisateur de First Contact, qui était aux manettes de l'épisode de la semaine dernière et de celui de cette semaine. Oui, donc, bon, après, c'est vrai qu'on peut toujours pinailler, hein. C'est vrai que Picard, c'est quand même dans... Je trouve que c'est un peu dans le haut du panier de ce qui se fait dans les streamings, sur les plateformes de streaming en règle générale, mais c'est pas non plus la crème de la crème. Ça, on est d'accord. L'intérêt qu'on a à suivre, c'est pas, elle se transparaît pas par la réalisation, c'est vrai que c'est l'histoire et les personnages qui nous intéressent, surtout si on est trekker à la base. Donc, du coup, c'est quand même intéressant d'avoir ton avis et de voir que bon, c'est une série qui tient la route, même si elle a quand même certaines faiblesses assez affichées. Bah, c'est soufflé sur ce rythme-là d'épisode, je trouve ça assez étonnant. Alors ça me laisse un peu songeur quant à la suite, mais je me dis que bon, après, ils peuvent apparemment rater certains, se rattraper sur d'autres. Ouais. Et peut-être mieux enchaîner, je lui souhaite le meilleur à cette série, parce que je me suis quand même pris d'affection assez immédiatement pour cette quête, et ouais, j'espère qu'il y aura plus ces moments de flottement. Après, moi j'aime pas le 4, c'est personnel, il a l'air de plaire. Ouais, mais ouais, ça, dès le 2, j'ai pris une petite douche froide, j'ai bien aimé le 1, le 2 arrive, et bam. Le 4, je l'aime particulièrement sur la story, de ce que ça raconte sur Picard, mais quand t'as un background du personnage, et de ce que ça raconte sur les Romuliens, Et ce lien qui se fait un peu avec la trilogie de Abrams, où Nero, justement, qui est venu dans l'univers du Star Trek d'Abrams, la Kelvin Timeline, à partir de l'univers qu'on est en train de suivre. Il y avait une sorte de raccrochage sur le comportement de certains Romuliens, du coup, via cet épisode, que j'ai trouvé intéressant. Et c'est pareil, les non-guerrières, j'ai trouvé ça assez stylé. Mais je suis assez d'accord sur le fait que dans la réal, il y a vraiment une baisse de niveau par rapport au Star Trek qu'on connaissait avant. Je trouve ça beaucoup moins subtil sur plein de trucs. Et j'ai trouvé ça dérangeant, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une scène particulièrement dans l'épisode 5 sur laquelle la réal a vraiment fait défaut et a un peu gâché l'histoire, je trouve. On y reviendra tout à l'heure. Ok, mais en tout cas, on est tous d'accord pour se dire que la série a l'air de plutôt bien fonctionner. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion, Manu, d'en parler. Tu m'as envoyé un lien tout à l'heure qui signifiait que finalement, malgré ce que beaucoup de haters balancent sur Internet de l'autre côté de l'Atlantique, visiblement, la série Picard, contre toute attente, serait un petit succès pour CBS All Access. Ouais, ça marche bien. Même. Et c'est marrant, alors je tiens à préciser pour Jay qui suit pas forcément ce genre d'actu, ou ce milieu en tout cas, j'ai découvert moi-même que dans le milieu de Star Trek, il y avait des haters comme les haters qu'on peut voir dans le milieu de Star Wars. Il y en a partout, Et c'est super, super, super particulier sur du Star Trek, tu vois, parce que l'esprit normalement de Star Trek n'appelle pas forcément à ça. Et là, les haters de base sur Picard avant même d'avoir vu les épisodes, je trouve ça assez impressionnant. Et ça va jusqu'à quel point, en fait ? Ah bah, sur de la fake news, quoi. C'est-à-dire comme le truc qui a été posté sur la page Facebook, là, où c'était un espèce d'agrégat d'articles, de sources, enfin ça... Oui, ce genre de truc, ouais. Ouais. Par exemple, il t'explique depuis presque un an que Star Trek Picard, c'est une catastrophe, qu'il y a eu des screen tests qui ont été faits, qui ont été catastrophiques, que CBS n'y croit pas, que d'ailleurs Discovery va être annulé, que tout va être annulé. Qu'en fait, c'est un peu les mêmes trucs qui tournent en boucle. Même au tout début, quand ils allaient lancer Picard, ils t'expliquaient que finalement la série Star Trek Picard, ça allait se passer dans la Kelvin Timeline et que peut-être ça serait Jean-Pierre Picard et qu'il y aurait beaucoup de trucs qui changeraient. Mais c'est ridicule, enfin, ça. Qui, oui, c'est complètement ridicule. Bah, qui c'est des peut gens, croire ça, en fait. Bah, c'est des gens qui ont tellement la rage contre
entre J.J. Abrams et Alex Kurtzman, bon, c'est vrai que je peux les comprendre sur certains trucs, que les mecs, ils vont jusqu'à inventer des trucs. Je veux dire, il y a suffisamment de défauts dans Star Trek Discovery et Star Trek Picard pour pas avoir besoin d'en inventer. Bah, malgré ça, il y en a qui veulent absolument en inventer pour absolument dire que c'est de la merde. On est d'accord pour dire que c'est plutôt bien, c'est pas parfait, c'est pas non plus la série du siècle, ça fait le taf, ça pourrait le faire mieux, c'est pas faux non plus, mais de là à dire que c'est de la merde, c'est, je trouve qu'il y a un écart que je ne comprends pas. On en est très loin. On en est très loin. Et franchement, moi j'ai été agréablement surprise par le premier épisode. Hein. C'était un vrai plaisir de retrouver Picard. Donc, et honnêtement, c'est pas par complaisance que je dis ça, hein, parce que Discovery, par exemple, j'ai plusieurs fois été déçue par plusieurs épisodes, plus qu'enthousiasmée. Et là, honnêtement, je suis plus enthousiasmée que déçue, alors que voilà, c'est quand même un personnage qui a plus de 25 ans. Donc, Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est oui, effectivement, c'est pas parce que dans les podcasts on donne l'impression peut-être d'adhérer, d'adorer la série, etc., qu'on ne voit pas les défauts, même si on ne les pointe pas du doigt et qu'on les souligne pas en permanence et au point d'en faire le point principal des podcasts, ça veut pas dire qu'on ne les voit pas. Tout à fait. Bon, on va peut-être commencer à en parler de cet épisode d'aujourd'hui. Alors, Marina, c'est quoi le résumé ? Alors, l'épisode s'appelle Aventure à Stardust City. Pour résumer sans spoiler, après avoir récupéré Seven of Nine, l'équipage se dirige vers Free Cloud à la recherche de Bruce Maddox. Leur expédition prend un tour inattendu entre franche rigolade et tension avec la mafia locale. Welcome, Captain Rios. I see your power conversion efficiency is only 91%. Remember, nobody knows the way around the Kaplan F-17 speed freighter like the Red Bull Weed. Careful, Kappa. Join the party at the Free Cloud Grand Hotel. Afternoon high tea. Good, make it go away! The Free Cloud Institute of Entertainment Robotics is now hiring. You have to punch. What? Hit as hard as you can. I don't hit me! Oh no, he's right, Doc. You need to knock his head clear off. Back architect, submit your resume. Oh. Agnes for the knockout. Hey, lady, you looking to get snake bit? Slither into Feely's Venom Garden and pick your poison. I didn't get one. Toi, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode ? Donc, dans les grandes largeurs, on fera la partie déjà spoiler que Marina finisse sur la franche rigolade. Le début de l'épisode n'y était pas du tout. J'étais assez choqué. Non, mais je sais. Mais Voilà, moi, je trouvais que l'épisode était franchement bien ficelé entre le début qui faisait penser à Reanimator, le milieu où c'est de la franche comédie, et la fin où t'as la mâchoire qui tombe par terre tellement tu te dis... Oh. Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Donc voilà, c'était juste mon sentiment pour résumer. Non, mais oui, j'imagine. Mais du coup, moi, globalement, j'ai aimé l'épisode parce que, alors là, du coup, ça va un peu dans le sens de Jay, parce que certaines références et l'arrivée de Seven of Nine m'ont fait plaisir. Mais en plus, je trouve que, enfin, j'aimais bien le concept dès la bande-annonce de cette espèce de pseudo-casse. En mode retour en arrière, on t'explique ce qui va se passer étape par étape. C'est super. C'est la Steven Soderbergh. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pas du tout original, mais ça marche bien, je trouve, dans une mission comme ça dans Star Trek. Un peu désarçonné sur le côté. Je crois qu'il y en a qui en parlaient la semaine dernière. Un petit côté Star Wars dans l'intrigue, dans la façon dont c'est fait par rapport à. Enfin, c'est plus du Star Wars que du Star Trek, quoi. Cette histoire du bar, c'est limite, ça rappelle un peu mélange entre Cantina et le casino de l'épisode 8 de Star Wars. Un mélange des deux. Ah, moi, je pensais au bar de Quark, moi, plutôt. Ouais, carrément au bar de Total Recall. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans le bar. Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai été assez choqué en début d'épisode de cette scène d'intro que j'ai trouvée violente, avant de me rendre compte assez rapidement et de que ça soit confirmé par le nom, que c'était un personnage qu'on connaissait. Je trouvais ça assez dur, hein, j'ai trouvé ça très violent personnellement. Mais derrière le reste, enfin, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais derrière le reste de l'intrigue, j'ai plutôt accroché. C'est vraiment un. C'est pas du haut niveau, mais c'est super efficace dans l'idée. Je vais pas spoiler, on en reparlera des points plus spécifiques tout à l'heure. Les moments que j'ai particulièrement aimé, c'est entre Picard et Seven of Nine, dont une scène qui reprend le thème de Voyager à un moment. Ça a bien joué sur les sentiments.
Mais voilà, bon a priori en tout cas. Ça fait plaisir, c'est vrai. Alors c'est un épisode, en plus, vous, je ne sais pas si vous l'avez noté, où on n'y a pas de scène sur le cube Borg. C'est peut-être pour ça que l'épisode est sympathique. Ça, je l'ai bien noté, t'inquiète. Et toi, Jay, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouvais que ça relevait pas mal le niveau, cet épisode, déjà. Effectivement, déjà par son intro, hein, parce que j'étais pas non plus prêt à voir ça après, ouais. Après cette petite vie de château, hein, cette petite vie de château Picard. Puisque pour qu'il soit vraiment à l'aise, Patrick Stewart, on lui reproduit le truc dans le vaisseau, donc c'est vraiment jusqu'au bout du... Le mec doit rester assis, cosy, quoi. Et là, c'est ça change. Parce que du coup, c'était trompeur dans les trailers, t'avais l'impression que c'était sur Terre, ça. Oui, bah oui, 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 peut-être. Et du coup, je trouvais ça bien cette histoire, comme disait Manu, de Cass, là, montée à la Soderbergh, avec, pendant qu'on vous explique le Cass a lieu. Ça sortait un peu les membres de l'équipage de leur rôle habituel, et je trouve ça assez malin de le faire tôt, de pas attendre une saison 2 ou un truc comme ça pour faire ça. Parce que finalement, pour moi de l'extérieur en tout cas, c'est assez archétypal tout ça, et bon, je peux m'y attendre, je peux m'y conformer. Mais c'est sympa de voir un peu tout le monde sortir de son rôle, et ça c'est le premier truc que j'ai bien aimé. Après, ouais, pareil, aller assez vite dans le fait Seven of Nine elle arrive, et direct après elle a autre chose à faire, elle est déjà imbriquée dans un truc. Je trouve ça cool aussi, ça perd pas son temps, on n'est plus au château Picard, on n'attend plus, ça, on agit quoi. Donc c'était pas mal, et bah j'ai pas toutes les références, effectivement, les retours de perso et tout, mais... Et toi, du coup, la scène d'intro, le fait que ce soit un personnage que nous on connaît, mais. Non, moi toi, je connais pas du tout. Je me fiche de ce monsieur, mais pas de son sort en tant qu'humain, tu vois, enfin, en tant qu'être vivant, ouais. Plutôt. Parce qu'il est ni humain, ni. Oui. Enfin, bref, le gars avait l'air de souffrir, quoi. Ouais. C'est tout ce que je peux en dire. Et ça, c'est pas cool. Mais bonne entrée d'épisode, et franchement, surprendre comme ça, je m'attendais pas à ça du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. Et pareil, j'ai été prise à la gorge par la première scène qui m'a beaucoup surprise par son côté très gore. Après que ça passe à un petit côté Soderbergh, Cass et tout ça, j'ai bien aimé. Et puis, moi, ce que j'adore, et j'ai pas toutes les clés, hein, mais ce que j'adore, c'est toutes les références cinématographiques à des films ou à des séries ou à des mythes que j'adore. Alors j'en ai relevé plein, mais vous allez sans doute en rajouter. Bon, j'ai parlé du bar de Total Recall tout à l'heure. Buck Rogers au 25e siècle pour les costumes super kitsch, notamment celui que porte Bijazel. On a l'impression qu'elle est habillée entre un personnage de Buck Rogers ou de Flash Gordon. Je pense à la princesse Ardala. Tarantino pour les fusils. Pardon ? Ouais, plutôt que des références, je pense que c'est plutôt des inspirations. Non, mais c'est des inspirations, c'est-à-dire que c'est jamais une citation littérale, c'est ça, l'histoire. Et alors, il y a une référence que j'ai retrouvée parce que ça me trottait dans la tête pendant tout l'épisode, à qui me faisait penser Seven of Nine comme ça. Elle m'a fait penser au flic de Ghost of Mars de John Carpenter. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Pam Grier et Natasha Henstridge, elles sont géniales dans le rôle. Alors, le film pas est un super grand film, gore. Par contre, hein. Non, c'est pas un grand film, c'est pas le meilleur de Carpenter. Mais il se trouve que je l'avais vu au cinéma, que j'avais adoré Pam Grier et Natasha Henstridge dans le rôle des deux flics. Et Jason Statham. Et voilà. C'est elle qui reste à la fin, oui. En plus. Oui. Alors, oui. Elle reste à la fin, mais il y a un cliffhanger. Et oui. Mais et Jason Statham, c'est lui qui se fait, qui est en train de tirer et qui se fait couper en morceaux pendant la scène, c'est ça? Ah, je me souviens plus. D'accord. Mais moi, Seven m'a fait penser à ça parce que moi, j'ai trouvé qu'elle était, elle était super dans le rôle, bien loin de son personnage de Voyager, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a évolué par rapport au personnage quand on revoit sa première apparition et la manière dont elle se débarrasse au fur et à mesure des implants et redevient plus humaine. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plein d'inspirations au film de Tarantino, Carpenter et tout ça, dans sa manière de se comporter. Et alors, il y a des références que j'arrive pas encore à décrypter. Je vous avais parlé de ce que lisait Rios dans les précédents podcasts. Là, j'ai relevé deux références. Déjà, c'est Fenris pour les Rangers. Ça m'a fait penser au loup de la mythologie, le fils de Loki. Et la planète sur laquelle sont torturés les Borg, elle s'appelle Vergessen. Ça veut dire oublié en allemand. Et je me dis, c'est pas anodin. Il y a forcément des clés. Il n'y a quasiment aucun nom anodin dans tout ce qu'on a vu pour l'instant. Voilà, mais honnêtement, je ne sais pas les décrypter. Donc je les ai relevés parce que ça m'a marqué quand j'ai vu Vergessen s'afficher. Mais voilà. Et après...
comme, alors je ne sais plus qui l'a dit, c'est Manu ou c'est Jet qui a dit que tout est chamboulé en fait, tout le monde est dans un rôle qui n'est pas le sien, je crois que c'est Elnor qui le dit, et je trouve que c'est, et je trouve que c'est important parce que Elnor en fait, il n'est pas du tout à sa place dans l'épisode, c'est-à-dire qu'il cherche sa place, et en fait c'est lui qui dit la phrase qui résume, je trouve, l'épisode. Et pendant tout l'épisode, lui, il n'a pas de publicité ciblée. Ah oui, j'ai adoré les publicités ciblées qui apparaissent lorsqu'il s'approche de Stardust. Et tout le monde a une publicité ciblée, sauf lui. Après, tout le monde a un rôle, sauf lui. Bah, normal, il n'y a pas de data sur lui qu'ils peuvent récupérer, sûrement. Donc, vu que le mec, il n'a jamais quitté son village. Voilà, moi j'ai bien aimé toutes ces références. Et puis, il y en a d'autres, mais peut-être qu'on en parlera dans la zone spoiler. Déjà, il y en a une sur l'évolution de Seven of Nine, elle boit du bourbon. Alors ça, je sais pas si t'as détecté que c'était une référence ou pas, Jay. J'ai bien compris que c'en était une. J'étais là, bah elle devait pas en boire avant, quoi. En fait, avant, elle buvait un verre de champagne et c'était fini, elle était dead, quoi. Ah. Du coup, elle le boit sec. Et elle le boit sec. Ouais, c'est pour ça qu'il la regarde en mode, ah, t'es pas défoncé avec un verre de bourbon. Très bien. C'était sa faiblesse, quoi. Sa kryptonite, c'était l'alcool. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu moins bien aimé que vous, visiblement, parce que moi, ça me saoule un peu les trucs de casse à la Soderbergh, justement. C'est vrai que, bon, c'est pas honteux, ça marche plutôt bien, mais bon, moi, c'est quelque chose qui me saoule un peu. Par contre, j'étais vraiment à fond sur Seven of Nine. Alors, j'ai lu qu'effectivement, sur les forums, évidemment, on peut les écrire à l'avance maintenant, les posts des gens qui sont pas contents sur la série. Évidemment, le personnage de Seven a évolué, évidemment, en 20 ans, que le personnage, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'on peut imaginer, avec ce qui se passe dans la scène de pré-générique, forcément, ça marque un personnage et ça l'amène dans une autre direction que ce qu'on lui connaissait. Donc, pour ma part, moi, ça m'allait complètement, surtout que, je sais pas si vous l'avez noté, mais dans certaines répliques, dans certaines lignes de dialogue de Seven, on retrouve l'ancienne Seven. Quand elle dit qu'elle n'est pas vexée, quand on lui dit je sais plus un truc qui pourrait être vexant, elle dit oh, je suis pas vexée. Ou qu'elle dit elle dit pas qu'un truc est hors de propos, mais elle a encore un peu ce vocabulaire de Borg efficiente à certains moments. Et ce qui fait que bon bah voilà, on sent que c'est le nouveau personnage. Et d'ailleurs, le fait de sauver des gens qui sont désespérés, c'est déjà quelque chose qui était un peu amorcé dans le personnage dans Voyager, parce qu'il faut pas oublier qu'elle se sent extrêmement coupable d'avoir été un Borg et d'avoir assimilé et donc causé tant de souffrances dans la galaxie. Donc il est complètement logique que ce personnage ait une sorte de rédemption à ce point-là. C'est déjà ce qu'elle faisait du coup avec Icheb. Ouais. Rest in peace. Et d'ailleurs justement, on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red alert. After they brought you back from your time in the collective, do you honestly feel that you regained your humanity? Yes. All of it? No. But we're both working on it, aren't we? Every damn day of my life. Program complete. Donc tu disais, Manu, on va commencer par toi, la scène de pré-générique avec Icheb, franchement ça fait pleurer quand même. Ah, ça m'a pas fait pleurer, j'ai trouvé ça violent, mais je trouvais ça violent pour les personnages, que ce soit pour Icheb, qui a pas eu le droit d'avoir un destin, quoi. Il a pas eu de futur, le pauvre, et pour Seven of Nine, puisque du coup ça inverse le fameux trope du Woman in the Fridge, qui consiste à tuer la femme du héros pour lui donner une mission. Là, c'est Seven qui a son protégé qui se fait buter, et du coup, ça reproduit le même schéma. J'étais d'autant plus désarçonné qu'en fait, je sais pas vous, moi, quand elle retrouve, je me dis, bah, ça va, quoi, on connaît la technologie de la Fédération, ils peuvent le sauver, et ils demandent à se faire buter. Je trouvais sa mort pas nécessaire, en fait, dans la façon dont elle a été tournée. Alors peut-être que scénaristiquement, il était irrécupérable, je trouvais qu'on le ressentait pas trop, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, ça dépend comment ils peuvent sortir du truc, quoi, si c'est long ou pas, mais bon, a priori, avec de la téléportation dès que t'as la porte d'un bâtiment, ouais, ça va, quoi. Ouais, même à l'intérieur, hein, mais... Ouais, mais on sait même pas, elle se serait téléportée dans un vaisseau, on sait pas si elle avait la possibilité de le soigner à bord de ce vaisseau, on sait pas si ils sont loin d'un avant-poste ou de quoi que ce soit, donc... C'est vrai que ça manque
d'une contextualisation pour justifier le fait qu'elle, bah, qu'elle abrège ses souffrances sans chercher à le sauver plus que ça. Le problème, c'est qu'ils ont pas le temps, en fait, dans l'épisode de le faire, donc je pense que c'est ça, ils coupent un peu cette intrigue. Voilà, après j'ai été désarçonné une deuxième fois face à Bejezel, parce que je trouve que l'actrice pourrait être une très bonne Diana Troy, en fait. Ouais, si bétazoïde, ouais. Ouais, même elle ressemble un peu à Diana, je trouve, dans la forme de son visage. Et du coup, me demandais s'ils essayaient pas de faire un perso qui serait de sa famille ou autre. Elle a un nom qui sonne un peu bétazoïde, mais elle semble pas avoir les pouvoirs d'un bétazoïde. Non, parce qu'il l'aurait dit, je pense, parce que elle, comme un de ses acolytes, justement, c'est un gars qui peut renifler les mensonges ou la vérité, etc. Si elle était bétazoïde, elle aurait pas besoin d'un gars comme ça. Alors, pour contextualiser pour Jay, Diana Troy, c'est un des personnages principaux de Next Generation. Oui. Et c'est une bétazoïde, c'est une espèce qui est empathique. Et qui, du coup, est capable de capter les émotions des gens et ce qui les perturbe, des choses comme ça. Ce qui fait que là, c'est clairement pas exploité, à moins qu'elle soit un peu plus comme ce personnage dont j'ai oublié le nom dans Voyager, qui est un bétazoïde déviant et qui est psychopathe, du coup. Ça pourrait être ça, un peu, vu ce qu'elle inflige aux gens. Mais en tout cas, c'est pas exploité. Il y a des Natroy qu'on verra dans un épisode plus tard, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Mais ce serait pas possible que ce soit sa sœur, en fait, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des épisodes de Next Gen, on apprenait sa sœur était morte. Mais ouais, je pense qu'elle est morte quand même. Mais ouais, il pourrait jouer là-dessus, hein, mais... Ouais. Ah, c'est risqué. D'un point de vue canon, si tu veux pas énerver les gens, enfin... Il n'y a pas de raison, en fait, scénaristiquement, de faire ça, quoi. T'es pas obligé de tout lier. Non, ce serait un peu abusé, d'ailleurs. Déjà qu'on parle de Quark, tu te dis, voilà... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quark, l'univers est petit, mais ça fait plaisir, c'est vrai. Ouais, après, il s'est étendu sur Ferenginar, donc ça, c'est logique pour lui, quoi. Bon, c'est pas dit, hein. Si ça se trouve, il est toujours en train de servir des verres sur Deep Space Nine. On sait jamais. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais ça fait plaisir d'entendre. Dans son nom lâché comme ça. Mais du coup, dans cette scène où il y a Bejezel, il y a l'apparition de Maddox. Ouais, recasté aussi. Ouais, comme là, Itcheb. J'étais un peu perturbé qu'il soit recasté, parce que autant Itcheb, je peux comprendre éventuellement, tu peux recaster. Je sais pas si au niveau évolution dans le temps, ça serait cohérent sans ça. Je sais pas si on a fait un si gros saut. De 4 ans. De 4 ou 5 ans entre la scène qu'on voit et le retour de Voyager sur Terre. Ouais, du coup... il est un peu trop vieux pour jouer le personnage. Ouais, il est trop vieux pour jouer ça, ouais. Par contre, du coup, Maddox dans le présent, moi, j'aurais gardé l'acteur original. Je pense que temporellement, ça marche. Et ça aurait été intéressant. Là, je trouve qu'il a une tête trop gentille, en fait. Il a pas la nuance qu'il avait à l'époque. Ah, c'est la barbe. Ouais. Non, mais je trouve que c'est dommage de l'avoir recasté, parce qu'avec Romain, on s'est demandé pour... Hier, on a tout simplement googlé l'acteur pour savoir à quoi il ressemblait maintenant. Et en fait, il avait pas tant changé que ça. Enfin, il avait pas... Il semblait, il travaillait toujours, et on s'est demandé pourquoi il avait été recasté, parce que pour le coup, vu on est dans la zone spoiler là, c'est voilà, juste pour un épisode. On n'est pas à l'abri de flashback. Ouais, moi, ça m'a paru bizarre. On n'est pas à l'abri de flashback plus tard, mais ouais, c'est vrai. Mais ouais, je trouve ça dommage. Il a un petit côté Lee Pace en plus, Lee Pace de l'époque. C'est vrai, mais toi, tu vois pas sa tête parce que t'as pas vu l'épisode original. Je vois la tête de Lee Pace par contre. Mais il avait un petit côté Lee Pace, ouais. Très bien. J'aime bien Lee Pace. Ouais, c'est un bon acteur. Ça aurait pu être le fils Maddox, du coup. Ouais. Mais en tout cas, le fait d'avoir un acteur différent, avec 30 ans d'écart, une barbe, bon, moi, je trouve que ça passe. On sait pas trop pourquoi ils l'ont recasté. Bon, c'est sûrement une accointance, une histoire de production. Probablement. Peu importe. Ouais. Là, c'est moi qui vous trouve un peu dur. Ah non, mais c'est pas une... L'acteur est bon, mais... C'est juste dommage. C'est juste dommage qu'ils aient pas repris l'acteur qu'on connaissait, qu'on a vu dans l'épisode de la saison 2 de la Next Gen. C'est juste ça. C'est peut-être pas dispo, le gars, aussi. Ouais, c'est possible. Ouais, peut-être, oui. Ça doit être une raison de prod, hein, qu'ils l'ont fait. Je trouve le mec a un cancer de la prostate et vous êtes en train de dire du mal de lui. Bravo. Ce serait dur. Non, mais il était dans un épisode tellement emblématique et il a eu un rôle tellement fort dans le développement du personnage de Data, en fait, que c'est dommage de pas l'avoir repris. Parce que moi, ça me trottait dans la tête par moment, hein, pour certaines scènes. Bah moi, ça m'a pas gêné. Hein. Parce que l'acteur était plutôt bon, donc... Vu le nombre de scènes, de toute façon... Non, mais l'acteur était bon. Ensuite, donc... donc on a Maddox qui... on voit qu'il est... Moi, je pensais qu'il mourrait, dans cette scène. Mais moi aussi. Mais non, en fait, ils l'ont pas tué. Ils l'ont endormi. Oui, moi aussi. Hein. Donc on voit que la mafia locale, elle veut le marchander avec autre chose.
Donc après on a le générique. C'est quoi la première scène après le générique déjà? Ça doit être Seven of Nine parce que j'ai noté Fenris Rangers. Donc j'imagine que c'est quand elle retrouve dans son holo. Ah oui, dans le château, ouais. Où elle se fout un peu de sa gueule d'ailleurs. Ouais. Elle le prend un peu de haut. Et d'ailleurs, ça sera confirmé dans une tirade qu'elle aura à la fin de l'épisode. Donc Papy Picard, elle le prend moyennement au sérieux quand même. Mais c'est un peu le cas de tous les personnages depuis le début de la série. En fait, c'est une déconstruction de Picard où il a toujours son sheer fucking hubris, mais justement en face, il a pas le respect qui selon lui mériterait quoi. Et il fait de la merde hein, de temps en temps. Déjà, je trouve que j'étais pas là pour l'épisode de la semaine dernière et je l'ai pas dit. Dans ma capsule à l'époque, mais la semaine dernière, il y avait vraiment un côté culpabilisant de si je repasse pas par cette planète, je pourrais jamais y repasser. Donc il y a le côté il va mourir et le côté faut que j'aille réparer mes erreurs. C'est vraiment limite t'as eu un shift géopolitique parce qu'il a lâché l'affaire à l'époque quoi. Au niveau de ce qu'il a pu faire. À tort ou à raison, hein, parce que on voit, c'est son ego, il est quand même assez surdimensionné, il a un sacré orgueil, et peut-être il a raison de penser ça, peut-être non, mais en tout cas c'est une motivation pour lui. Donc voilà, il y a cette histoire des Fenris Rangers, alors je sais plus si c'est expliqué totalement dès cette scène, je crois que c'est un peu plus explicité plus tard ce qu'ils sont, mais on comprend du dialogue de Seven. Ils en parlaient dans l'épisode 4 déjà. Ils expliquent un peu, ouais. Oui, Rios l'explique un peu, ouais. Ah, c'est possible. Ouais. Bon, il dit qu'en gros, ah oui, quand il y a le vaisseau qui arrive. Mais c'est vrai que c'est dans cet épisode-là où c'est quand même beaucoup plus clair, quoi. Donc, il y a le côté un peu hors la loi qui est discuté par Picard. Ça lui plaît pas trop. Mais bon, en même temps, on a plus tard la réponse de Seven à ça, c'est que si la Fédération a lâché l'affaire, faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent d'aider les autres, quoi. Je trouvais ça assez intéressant dans le concept. Et c'est ce que je te disais cet après-midi, vu qu'ils ont annoncé deux projets sans qu'on ait les noms. Je me demandais si on n'aurait pas une série sur Seven et les Fenris Rangers. Je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri de ça. Bah, ce serait sympa. Ce serait sympa en mini-série, je sais pas si sur le long terme. En mini-série, mais même c'est pareil pour les non-guerrières. J'ai une galaxie de spin-off. Bah, moi, un spin-off sur les Rangers, je pense que ça serait un peu peut-être redondant avec Section 31. Mais c'est vrai que quitte à tout prendre entre les deux, je préférerais un spin-off sur Seven. Hein. C'est clair qu'il n'y a pas à chier. Ensuite, ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, suite à ça, c'est la petite scène entre Raffi et Rios, où encore une fois, sur le biais de l'humour et des conversations du quotidien, ils arrivent à quand même exposer pas mal de choses pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek. Donc par exemple, toi, Jay, quand il te résume, voilà, Seven of Nine, ah, peut-être elle le connaît, je suis pas sûr qu'ils se connaissent vraiment. C'était un Borg. J'avais même oublié qu'il avait été Borg. Ouais, c'est vrai, en plus, nous aussi on l'oublie, hein, et que parfois ça nous revient en pleine gueule, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'effectivement il est passé par là lui aussi. Du coup, toi, j'imagine, Jay, c'est ce genre de scène-là qui t'aide à te raccrocher un peu aux branches. C'est assez marrant, puisqu'en fait, tout ce à quoi il réfère dans cette scène, c'est à peu près les seuls trucs que je me souvenais. Cette scène, c'est un peu le résumé de tout ce que je me souvenais de Star Trek. Parce que, effectivement, cette actrice, je me rappelais pas spécialement de son nom, mais je me rappelais très bien de l'avoir vue sur ces fameux posters d'équipage de Star Trek. Et il parle assez vite du voyageur, machin, donc effectivement, je m'en souvenais mal et ça remet tout dans l'ordre. Donc c'est vrai que c'est pas très dur à suivre. Et c'est un petit moment dans un épisode où il se passe beaucoup de choses qui permet d'expliquer les trucs, c'est pas mal. Mais de toute façon, je trouve très bien rythmé cet épisode, contrairement aux trois précédents. Et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer en fait, j'ai jamais pu m'arrêter sur là c'est bon, on me laisse tout seul parce que j'ai pas suivi le reste de Star Trek quoi. Et là, ça, c'est pas le cas. Et cette scène, ce qui est pas si longue que ça, fait partie des bonnes idées effectivement. Qui permettent de pas être laissé au banc des néophytes. Moi, il y a un truc que je trouve, c'est sur l'ensemble des 5 épisodes jusque là. Je trouve que l'action avance pas des masses, mais par contre chaque épisode apporte un background de toi du coup t'as des références que t'as pas, mais nous ça nous comble des trous des 20 années qu'on a loupé quoi. À la truelle quoi. On a plein de trucs qui sont expliqués sur le contexte géopolitique. Comment fonctionne la société qu'on connaît pas trop parce que la société
de la Fédération, on la connaissait, je crois que tu en parles la semaine dernière, Guigui, d'un point de vue militaire, quoi. À chaque fois, c'était des vaisseaux d'exploration de Starfleet, c'est militaire. Et on n'a jamais eu comment ils vivent, comment très ils peu. Vivent de leur côté, quoi, les gens. Et du coup, c'est assez intéressant de ce point de vue-là et du côté background et tout ce que ça dit implicitement. Comme le fait que sur le vaisseau de Rios, il y a des hologrammes ou des IMH, des trucs comme ça, c'est de la technologie militaire à la base qui s'est, comme dans la vraie vie, qui a glissé vers le public au bout d'un moment, quoi. Et je trouve ça assez intéressant. Oui. Et d'ailleurs, à propos de rythme, justement, après, on a la scène où justement on a ces espèces de messages publicitaires quand ils arrivent, où donc chacun a son petit hologramme personnalisé, où on comprend justement que c'est personnalisé grâce aux data qu'on peut avoir sur les membres de l'équipage, et que Elnor, lui, comme il n'a jamais quitté son village, forcément il n'en a pas, et hop, au détour d'une petite blague, ça nous le fait comprendre. Mais tu vois, c'est marrant, c'est le seul point gênant, le deuxième point gênant, on va dire, de l'épisode pour moi, ça. Les holopubs, je trouve que c'est pas du tout Star Trek, c'est plus Star Wars dans l'idée. Et cette espèce de... On récupère tes données, de données accessibles par tout le monde, je trouve ça beaucoup trop dystopique, même pour, d'accord. La dystopie de Star Trek. Moi, ça m'aurait pas gêné s'ils allaient sur Ferengi, mais là, sur Ferenginar, mais là, effectivement, c'est un petit peu gênant. Moi, ça m'a fait bien rire, parce qu'en fait, je travaille dans le monde des études de marché. Mais toi, t'es dans la dystopie, t'es dans le monde réel, donc c'est la dystopie. Ouais, mais voilà, mais ce genre de scène, en fait, et après, je me suis dit, mais chaque publicité ciblée, en fait, elle dit quelque chose sur le personnage. Quand on a, à la fin, en fait, on comprend pourquoi Jurati a ce personnage qui est apparu. Je ne sais pas si vous avez fait le lien aussi, mais moi, j'ai été surprise par le petit personnage qui le personnage c'est qui est apparu. C'est une sorte de robot qui tape dessus, qu'elle fait. Un robot boxeur. Ouais. C'est une publicité en fait, qui est vers la violence, effectivement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui s'expliquaient à la fin. Et que, bah quoi, voilà, par exemple c'est... Parce qu'elle est docteur en cybernétique, donc en IA, donc c'est normal, non? Oui, mais moi, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, mais j'ai été surprise par la scène. Et en revoyant la scène sur la... En fait, c'est le côté violent, en fait. Le côté boxe et tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose... Moi, je trouvais que ça révélait quelque chose sur son... Non, mais je suis carrément d'accord. Il y a la violence et le trait qu'il faut retenir et pas la cybernétique, effectivement. Parce que, clairement, la fin de l'épisode est emmenée à chaque scène de Jurati. Il y a un indice quasiment à chaque fois qu'on la voit, donc... Effectivement, là, c'est, à mon avis, c'est pas non plus un indice à louper celui-là, il arrive très tôt. Et je dois juste revenir un petit truc sur les fameuses publicités. Vous dites que ça fait pas très Star Trek, mais vous avez dit juste avant, on a quitté le côté militaire. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'ils se permettent ce genre de truc. Effectivement, quand t'es militaire, t'es dans un Enterprise, machin, t'arrives, c'est des codes d'accès, tu te fais pas envoyer de publicité, c'est normal. Mais là, vu que t'arrives comme des clandos... ils arrivent comme des clandos sur la planète... Oui, mais ça veut dire un accès à tes données de navigation, des données privées, oui, bien sûr, hein. Qui dans l'univers de Star Trek, d'un point de vue sociétal, de ce qu'on connaissait de la société, ne serait pas allé vers ce genre de... Ouais, mais là, c'est un espèce de Las Vegas vénère, le truc. Ouais, non, mais... Ouais. Et puis, il y a eu 20 ans d'évolution de cette société. Donc forcément, elle a évolué dans un autre sens. Mais c'était un peu hors sujet pour moi, ce truc-là. D'ailleurs, même si, du coup, pas terrible graphiquement, la ville vue du haut, là. C'est pas très grand, c'est... Je m'attendais à un truc qui prend une bonne place sur la planète, tu vois un peu jusqu'à l'horizon et tout. Ouais. Là, c'est plus petit que Vegas, le truc, ça fait chier, quoi. Ouais, après, c'est une station, t'as pas besoin d'être plus grand que Vegas, en fait. Puisque avec les technologies qu'ils ont, t'as pas besoin de grand pour avoir grand. Ah ouais, t'expliques tout, toi, t'es trop fort. Les holodecks servent à ça, tu vois, par exemple. Ouais. Dans un holodeck, tu peux voyager, faire le tour du monde, sûr. Mais pas vraiment. Mais c'est comme si. Les holodecks, c'est très puissant, Ok, je vois que vous avez une technologie Star Trek à sortir. Ah, mais les holodecks, c'est la technologie à chaque fois qu'il y a une critique, c'est la technologie de cheater, les holodecks. Ok. Ça fait plus que ça devrait pouvoir faire. Pas forcément. Regarde, par exemple, quand il sert justement du whisky, du bourbon à Seven, comme la technologie des holodecks, c'est un peu la même quelque part que les réplicateurs, c'est peut-être aussi un petit cousinage avec la téléportation. Ouais, il y a quelque chose qui se tient. Oui, tout ça, c'est basé sur le même principe, mais normalement, les holodecks, c'est des histoires de photons et de champs de force, quoi. C'est pour ça que c'est un docteur photonique. Mais du coup, ça te donne pas de validité nutritive, enfin, de valeur nutritive, enfin, pas de valeur, mais... Bah si, tu utilises l'applicateur. Que... T'as cité docteur photonique? Non, c'est le... Enfin, de docteur holographique. L'IMH, c'est un docteur... C'est un photonique. Leur race, c'est les photoniques. D'accord. C'est comme ça qu'il se fait appeler dans... Enfin, cette race, maintenant, se fait appeler dans Voyager. D'accord, non, parce qu'il y a... Mais c'est comme ça que sont expliqués les... Il y a une BD
Mais c'est comme ça que sont expliqués les holodecks dans Star Trek, c'est des photons retenus par des champs de force. Du coup, normalement, ça devrait pas avoir d'apport nutritif, ce qui est officiellement cheaté déjà dans Next Generation et les Voyager, puisqu'ils mangent, ils boivent... Ouais, mais tu peux coupler ça avec un réplicateur, tu vois, il peut quand même... Ce que je veux dire, c'est que c'est de la technologie facile, justement. Oui, on est d'accord, Bah, c'est tout le techno-blabla de Star Trek, hein, c'est ce côté un peu fantaisiste, on est d'accord. Et donc, pour revenir au docteur Jurati, on apprend dans une scène au début aussi qu'elle était plus ou moins en couple avec Bruce Maddox. Ça, c'était plutôt une surprise. Par contre, ce qui était un peu moins pour moi, et puis pour d'autres personnes aussi sur les forums, c'est que le docteur Agnès Jurati, c'est un peu la traîtresse du groupe. Parce que c'est vrai que c'est depuis l'épisode 3, quand elle arrive, qu'elle bute des Romulans comme ça pour être sympa et puis pour partir avec Pepe Picard, après avoir reçu la visite du commandeur O, on pouvait déjà se douter que ça serait une petite abramserie des familles. moi j'étais un peu déçu qu'il joue cette carte là parce que c'est toujours pareil en fait. À chaque fois que dans un récit il faut absolument trouver quelque chose ou faut trouver un artefact, faut trouver quelque chose qui te donne des réponses et que le truc te glisse entre les doigts après t'avoir donné une bribe de truc parce que sinon l'histoire elle peut pas continuer, j'avoue que ça me saoule un peu. C'est le côté Mulder qui perd son flingue et qui perd le dossier secret où il y avait tout écrit dedans quoi. C'est un peu gênant. Non, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur la réelle où c'est un peu plus bête. C'est un peu pareil sur le storytelling. Il y a des trucs. Moi, la discussion Maddox-Picard où t'as Jurati de dos et t'as un plan sur son visage toutes les 3 secondes où elle fait une tête de mort. La fin est déjà gâchée à ce moment-là. Oui. C'est pas très fin. Ouais. J'ai pensé exactement la même chose. Je me suis dit, cette scène, elle annonce la fin. Et quand ça s'est confirmé, je me suis dit, mince, pourquoi il n'y avait pas besoin, du coup. Ça gâche, en fait, le twist potentiel. Ça gâche la scène finale. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu écrit bêtement, moi, je trouve, là-dessus. Pour revenir à cette fameuse scène, là, où on voit, il regarde une vidéo, là. J'étais ultra gêné, parce que j'étais persuadé que c'était genre son père dans la vidéo. J'étais là, donc c'est sa fille. Donc quand ils vont se voir, on sait pas la teneur de leur relation et tout. Et là, ils s'embrassent, j'étais là, oh merde. Ah merde, ouais, non. Mais en fait, j'ai pensé la même chose. Et j'étais aussi super gênée, en fait. Ça fait bizarre, Oui, parce que dans l'épisode précédent, elle parle de son père, justement, avec qui elle s'entend pas trop bien, visiblement. Exactement. Donc c'est pas anormal d'avoir pensé ça au début et puis de se dire, quoi. Ouais, non. Mais après, ça peut être une relation comme les deux Romuliens. Parce que Narek et sa sœur, c'était gênant. N'allons pas sur ce territoire. Mais par contre, leur échange là, dans la vidéo où elle lui demande pourquoi il n'a pas répliqué directement un cookie et pourquoi il a répliqué les ingrédients, les différents éléments pour faire un cookie, je me dis, mais c'est censé nous dire quelque chose sur le personnage, sûrement. Sa manière de voir. Bah oui, parce que il faut des ingrédients différents pour construire un robot, un androïde, c'est comme une recette de cuisine. Voilà, donc il faut certains éléments et sinon ça peut pas se faire comme il faut. Oui, c'était une grosse métaphore, hein, mais moi je trouvais justement c'était le moment qui faisait très papa dans la vidéo. C'est peut-être aussi ça qui m'a induit en erreur, mais avec lui faire un gâteau, tu vois. Bon, En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend dans la révélation que fait Maddox? Il donne à Picard l'information de où se trouve Soji, donc sur le cube Borg. Ouf, enfin, donc dans le prochain épisode, on y sera. Mais ça, je trouve ça con parce que dans l'épisode 2, quand il voit le message, les traces de message de Soji Ajaj, ils disent c'est un relais qui est hors de la Terre. Donc ok, elle est dans l'espace, mais du coup le relais il devrait donner une indication approximative sur où ça se trouve, tu vois. Enfin, c'est qu'un routeur, hein, il devrait avoir les informations de routage. Et du coup je trouve ça très con qu'ils sachent pas déjà en fait qu'elle est sur le bus. Qu'ils aient même pas cherché à gratter en fait. Cube. Ouais. Peut-être que le cube est pas vraiment terminé encore. Peut-être qu'il agit selon sa propre volonté. Peut-être. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur... Ah oui, j'ai trouvé ça aussi dommage que du coup, Maddox donne une information en plus,
sans l'expliciter, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on trouve le personnage qui est censé nous faire avancer, il fait avancer un petit peu, mais pas des masses non plus. Il dit juste, je les ai envoyés trouver la vérité. Il est pas bien. Quelle est ta vérité, gros? Qu'est-ce que tu soupçonnes? Il a les organes abîmés et tout, il est pas bien. Ah oui, il est pas bien, mais il aurait pu être plus clair, en fait. Il attend de s'être reposé, il pense pas qu'il va se faire... Oui, mais à quoi bon Auxilia. Donner une information que l'autre est pas capable d'interpréter? Ouais, tu vas jusqu'au bout. Si tu dis d'un tout. Point de vue scénaristique. Tu dis tout, ouais, ou tu dis rien, quoi. Je trouve ça bizarre. Ouais, mais bon. Parce que là, donc, ouais, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a pas que les Romuliens qui lui seraient, qui lui courraient derrière. Il y aurait aussi la Fédération. Alors, j'espère vraiment que c'est pas ça. Parce que bon, ça serait un petit peu gênant. J'espère qu'il y a autre chose. Ça ressemble chose. À ça quand même, non? Quoi? Ça ressemble vraiment beaucoup à ça, là, pour l'instant. Tout ce qu'on voit, c'est quoi? On voit le Commodore O qui est probablement une Romulienne infiltrée. Qui aurait donc infiltré la Fédération et Starfleet. C'est pas dit que c'était une Vulcaine? Si, c'est dit que c'est une Vulcaine, mais historiquement, il y a plein de Romuliens qui se font passer pour des Vulcains. Ah. Et c'est fortement suggéré que, bah, déjà, travailler avec les Romuliens, clairement. Oui. Parce que si fortement, ces lunettes de soleil, c'est un super gros indice. Ouais, ouais, mais d'accord. Un truc con. C'est pas une Vulcaine. J'ai pas capté ça, moi. Oui, c'est très con dans l'idée. In Universe, c'est très con. En fait, c'est un indice pour les spectateurs. Sauf que du coup, In Universe, ça devrait être un indice pour les personnes. Ouais. Parce que c'est explicitement dit que les Vulcains ont pas besoin de lunettes de soleil parce que leur planète les a habitués à avoir une paupière, enfin leur a fait développer une paupière en plus. Du coup, soit c'est une Vulcaine défectueuse, tu vois, enfin qui a un problème génétique, soit c'est une Romulienne qui est infiltrée, c'est voilà. C'est clairement dit pour te. Mais j'aime bien parce que du coup, Michael Chambon, qui est le showrunner. Donne toujours des explications super fumeuses sur ce qui est techniquement des erreurs, enfin que tu peux considérer comme des erreurs dans les épisodes, et c'est toujours moyennement convaincant. Et là encore, ils en ont fait une cette semaine, je trouve. Quand tu vois Raffi regarder les informations sur celui que tu devines et son fils et que tu la vois après, spoiler pour la suite de ce podcast, il y a les informations qui sont affichées sur l'écran, tu les vois à l'envers, et c'est en pouces et en livres, les poids et les mesures. Et ce qui est universellement admis que ça se fait pas dans Star Trek, c'est des kilomètres et des normal. Kilos. Et du coup, ça a été retcon de la série originale, faisait l'erreur. Et après, ils ont corrigé, ils ont adapté le système universel, quoi. Et là, on est 20 ans plus tard, ils sont quand même parvenus à ces putains de livres et c'est Inch et. C'est le genre d'erreur que normalement, quelqu'un qui connaît un minimum Star Trek ne fait pas, quoi. Ouais, le graphiste stagiaire, il était pas au courant, visiblement. Ouais, c'est ça. Mais ça aurait pu... Enfin, je sais pas, ils ont des mecs pour contrôler ça, normalement. Enfin, c'est dommage. Deviens de ces mecs, Manu. Je veux bien devenir un de ces mecs. Et donc, ouais, après ça, bon, on a la fameuse scène Steven Soderbergh, où t'as l'espèce d'infiltration, bon... C'était stylé, ça, mais... Non, tu veux pas passer dessus. J'entends que tu veux pas passer dessus. Le montage... Quoi, oui, bon, on va en parler. Bah, je vous écoute en parler, alors. Le montage, j'ai trouvé, de cette scène était excellent. Entre les explications, l'attribution des rôles, des costumes et tout ça, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Et puis alors le côté 70s, non, du costume de Rios qui était quand même excellent dans le côté outrancier avec la 7 of 9 qui suggère de rajouter la plume. Voilà. Et Rios, très bon personnage. Ouais, pas mal. Ouais. Ouais. Et en plus. Picard qui ressemble. Picard, c'est avec son faux accent français. Ça m'a fait un peu rire, ouais. J'avoue. Ouais, c'est le côté marrant. Théâtral. Mais il ressemblait à un méchant d'Austin Powers. Un peu, ouais. Un peu. Vous n'avez pas pensé à ça? C'est vraiment méchant. Ouais, numéro 2, un peu. Quoi. Méchant de film. Il reprenait un plot de film, du coup, il faisait exprès de se déguiser un peu. J'ai bien aimé une réplique, là, quand Raffi, je crois que c'est elle, dit à Rios. C'est plus le moment d'être le pilote ténébreux, ou je sais pas exactement comment elle lui dit ça. Existentialiste. Ouais, existentialiste ténébreux, voilà, merci. Et je trouve ça marrant déjà d'énoncer ce perso qui au départ paraît comme le perso t'as déjà un peu trop vu, le mec blasé qui pilote le vaisseau. C'est déjà le perso que t'as trop vu, et clairement, je cache pas, j'avais pas envie de voir ce genre de perso. Et le fait que ce soit dénoncé et qu'il ait un autre, comme je disais tout à l'heure, un autre rôle à jouer dans cet épisode là et qu'il se sente pas à l'aise, je trouve ça assez malin, en fait. Ça m'empêche carrément de le détester, et peut-être jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est cool, quoi. Mais moi j'adore déjà le concept de ces hologrammes pour tout. Oui. Et celui dans l'épisode 4, celui de son copilote là, est mortel. Il est mortel. Qui parle que en espagnol. Moi je veux le revoir. Oh, il va revenir, je pense. C'est un one man crew, le mec. C'est plutôt stylé.
Mais tous les personnages, en fait, je trouve, sont, il n'y en a aucun qui se prend au sérieux. Et s'il se prend trop au sérieux, il y a tout de suite un personnage pour désamorcer le côté trop sérieux. Mais c'est toujours fait, je trouve, avec amour pour les personnages. C'est jamais au détriment du personnage et ça ne nous empêche pas de l'aimer, même si il dit quelque chose d'un peu sentencieux et tout ça. Et ça vaut aussi pour Picard, parce qu'avec son patch là sur l'œil ou son côté outrancier, voilà, c'était au service du personnage, je trouvais. C'était pas son début. C'est pas toujours au service du spectateur. Par contre, il y a des coupes qui sont un peu violentes. Bon, dans cet épisode-là, avec tout ce qu'ils arrivent à mettre, ça va. Il est un peu plus dense que les autres. Ça va, ils s'en sortent bien, je trouve ça. Le montage, tu l'acceptes, en fait, vu qu'il se passe des trucs. Mm-hmm. Alors, l'épisode 3-4, ouais, j'étais moins fan. Des fois, t'arrives à un endroit comme ça, t'es sans transition, bim, t'es là. Poursuivre une espèce de chronologie de l'épisode, mais du coup, dans le montage, est pas très bien réalisé. Mm-hmm. C'est les personnages, oui, mais des fois, ça pique un peu les yeux, quand même. Ouais. Moi, j'étais, pour répondre à ce que tu disais, Marina, il y a juste Elnor, sur lequel j'arrive pas à savoir encore s'il est gênant ou pas, dans ses répliques complètement décalées. Mais l'acteur joue pas très bien. Non, l'acteur est pas ouf, ouais. Après, les répliques sont bonnes, je pense, mais ouais, le gars peut-être. Est pas au top. Mais ce que je trouve super significatif scénaristiquement, c'est qu'il fasse arriver dans l'équipe ce personnage au moment où ils vont faire sortir Jurati de l'équipe ou lui faire changer de rôle. Ça sera plus le rôle de la trublionne, enfin du comic relief, et c'est lui qui va le devenir. Du coup, ils ont officiellement dans l'épisode déjà remplacé Jurati au final. Et donc, du coup, et qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Seven, justement? Elle va quand même jusqu'à se venger purement et froidement, quand même. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé, déjà elle apporte le côté dramatique à l'épisode, sans elle il y a beaucoup moins de tension dramatique. J'ai trouvé ambigu la discussion avec Bejazel, du coup à un moment je me suis dit mais est-ce qu'elles ont été ensemble à un moment? Ouais, je croyais que c'était amante à un moment dans la discussion. Et non, en fait c'était purement, leur relation c'était purement, elle s'est fait trahir et en plus elle a tué, elle a buté Hitchep quoi. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis le fait de revenir à la fin en disant il y en a encore qui ont besoin de garder espoir, c'est un peu une note d'intention de regarde, peut-être que je serai dark dans ma série, mais dans celle-là je vais encore essayer de donner de l'espoir aux personnes qui sont plus proches de Picard. Mais toute la discussion autour de la légitimité de la violence, de la vengeance, moi j'ai trouvé que ça sonnait très juste, même si on se doute que Seven ne va pas écouter ce que dit Picard, hein. On se doute bien que si elle récupère les armes, c'est pour redescendre sur la planète et régler son compte à Bejazel. Mais honnêtement, on adhère à son perso. Je trouve qu'on adhère au personnage de Seven. On a envie de la suivre. Et Jerry Ryan, je trouve, joue super bien, en fait, je trouve. Elle est juste dans le personnage. Elle a l'air contente de retrouver le perso. Ouais, non, mais ça se voit dans cet épisode, tout le monde s'entend bien. Juste un petit bémol sur le maquillage de Seven. Je trouve pas ça très organique ce qu'ils ont fait. Il y a moyen de nos jours quand même de faire un petit peu mieux, non? On voit un moment quand elle pose ses mains sur je sais pas qui et on voit les trucs se décoller au niveau de ses articulations sur la main, les trucs de sa main. Mais c'est parce que c'est un truc qui est pas attaché, c'est normal. Ah ouais, c'est comme pas, ça hein. De base. Ouais. Si, ah ouais, c'est un truc qui est par-dessus sa main, mais c'est ouais, pas attaché. Peut-être. Ouais. Bref, le truc pareil qui est au-dessus de son arcade sourcilière. Ça, il a pas trop évolué dans le temps, il est resté. Ouais, mais ils auraient pu faire. Ils l'ont un peu mis à jour, mais. Qu'on le voit un peu rentrer là, il est vraiment collé là, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il est comme ça depuis le début. Il est un peu plus sombre. Ouais, il est plus sombre et il a un petit. Si tu regardes bien, alors moi j'ai des captures d'écran pour faire des comparaisons. La forme est légèrement différente, mais à l'échelle. Où on la voit quand tu regardes sur ta télé, bon bah tu peux pas le constater. Hein. À part qu'il est plus sombre, tu peux pas voir la différence, à moins d'avoir une vue incroyable. Donc moi, je trouvais que ça allait. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait les cheveux attachés au début et puis plus après. C'est un détail, hein, mais ça fait la transition un petit peu de ce qu'on connaît du personnage, même si c'est superficiel. Donc moi, j'étais globalement assez content de l'avoir, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était une évolution qui était plutôt logique par rapport à ce qu'on connaissait du personnage, même si c'est une évolution qui est radicale, mais elle est radicale et justifiée par le contexte que nous présente Picard sur ces 20 ans qui sont écoulés, donc pour moi il n'y a aucun problème. Qui est là ma scène préférée? Et je trouve que le thème... Ouais, vas-y. Vas-y, je okay. Dirai après. Je disais qu'elle avait préférée. Ma scène préférée avec Picard, du coup, celle où elle lui demande s'il a complètement retrouvé son humanité après avoir été déborgisé.
Et je trouve que la scène, les deux jouent très juste et que il y a pas besoin de grand chose pour que la scène marche. Je trouve ça, ouais, voilà, j'étais plutôt agréablement surpris. Et puis bah toi tu l'as pas, Jay, mais la musique à la fin qui s'envole, c'est le thème de Voyager. Tu m'as dit ça tout à l'heure, ouais, effectivement. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi de la déborgisation. Ouais. Très intéressant. Perplexe par contre sur le fait que les gens ont l'air de chercher de la, enfin forcément il y a toujours des marchands d'armes, de la technologie Borg, mais qu'ils aient du mal à en trouver parce que des Borg, des cubes Borg défoncés, ah, remarque, c'est plutôt dans le Delta Quadrant qu'il y a des cubes Borg défoncés dans tous les sens. Peut-être que dans ce cadran-là, il y en a pas. Ouais. Ou au centre de la galaxie du final de Voyager, ouais. Mais oui, peut-être qu'ils sont tout simplement en plus en concurrence avec les Romuliens qui vendent des artefacts Borg aussi. Hein. C'est ce qui explique aussi le fait qu'elle est un peu réticente, la nana, à traiter avec le Tal Shiar. Donc voilà, d'ailleurs justement, on va en profiter pour théoriser, faire des théories. Théorie craftée. Merci Manu. Parce qu'en fait, on avait beaucoup parlé dans les épisodes précédents, avec Marina, on avait évoqué le retour de Sela, par exemple, qui est donc une mi-romulienne, mi-humaine et fille de Tal Shiar. Mais moi aussi, je réfléchissais à un truc et je me disais, c'est vrai que la série Picard, la façon dont les choses sont articulées, ça pourrait permettre le retour du personnage de Data, mais joué par un autre acteur. Mais ça serait aussi vrai, finalement, pour le cas de Lore, qui est donc le jumeau maléfique de Data, et qui peut-être est la personne qui est derrière tout ça, parce que finalement, quelles pourraient être les motivations des Romuliens ? Bon, on les connaît, hein, au début, ils pensent que c'est la supernova qui va les détruire, c'est du flanc, c'est une invention de la Fédération, etc. Mais bon, au bout d'un moment, cette motivation-là, elle ne tient plus, surtout 20 ans après. Qu'est-ce qu'ils ont à faire à dégommer des robots ? Voilà, je pense qu'il y a autre chose. Surtout qu'ils avaient eu, si on y réfléchit, cherche dans place, la nouvelle génération, ils avaient déjà l'opportunité de dégommer Data, hein, si Data les dégoûtait à ce point-là. Donc, non, mais. Moi, ce que j'en pense, c'est répété quand même un certain nombre de fois que Daj et Soji sont The Destroyer. J'en parlais dans l'épisode 3, je crois, qui suggérait fortement qu'il y avait du voyage dans le temps à un moment et que, en gros, les Romuliens sont conscients de quelque chose dans le futur. Il y a une remontée dans le temps à un moment qui fait que les Romuliens ont une connaissance. Bah, du coup, ceux qui sont derrière le Tal Shiar, j'ai oublié le nom. Le Dashvash. Le Dashvash, voilà. Qui aurait connaissance du futur. Et pour revenir à Lore, ça serait pas déconnant que si Maddox s'était fait manipuler et avait constitué Daj et Soji à partir de Lore au lieu d'à partir de Data, qu'elle soit destinée en fait à virer mal et à détruire une race. Ouais, ça serait pas déconnant. C'est pour ça que je dis ça, exactement. Et il y a une théorie à laquelle je pense depuis tout à l'heure. Vous vous souvenez de l'épisode où Data rencontre une femme qui prétend être sa mère et en fait c'est un robot qui a été construit par Soong, voilà. Et elle ne sait pas que c'est un robot. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être le cas d'un des personnages qui ne sait pas qu'il est un... Tu veux dire, bah moi, je me demandais si Jurati, par exemple, n'était pas. Oui, voilà, et je pensais à Jurati, moi. Tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis dit, si ça se trouve, son grand secret, c'est... Mais ça serait beaucoup trop Battlestar Galactica. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça me saoulerait un peu, j'avoue. Bon, je suis trop fan, alors, de Battlestar Galactica. Peut-être, mais étonnant que... Enfin, ça serait assez consanguin. C'est vachement mieux que Star Trek aussi. Techniquement, Ronald D. Moore a bossé beaucoup sur Star Trek, Next Generation et Deep Space Nine, ouais, avant de faire Battlestar. Et en fait, ouais, Voyager, c'est quasiment le pitch de Battlestar dans l'idée. Et lui, il est parti à ce moment-là, il a fait Battlestar. Ouais, d'accord. Enfin, un peu après, il a fait Battlestar. Voyager, il devait travailler dessus, mais visiblement, il voulait aller un peu plus loin dans le côté, entre guillemets, dark. Avec les conséquences des événements, etc. CBS l'a pas laissé faire, enfin, ou les autres producteurs l'ont pas laissé faire, et donc du coup, oui, plus tard, quand il a refait Galactica, il y a un vrai parallèle, hein. C'est simple, bah, déjà, les Borg, tu les remplaces par les Cylons, le président, la présidente qui est une femme, bah, là, c'est une capitaine, enfin, il y a énormément de parallèles que tu peux faire entre Voyager et Galactica. Ouais. Mais du coup, ouais, je sais pas si Jay. Sauf la nudité. Je sais pas si Jay connaît Voyager. Mais le principe, pas c'est trop. Un vaisseau qui se perd dans un. La galaxie est divisée en quatre cadrans.
toute l'intrigue de Star Trek, à part via un vortex, c'est dans le cadran alpha, un peu bêta. Et du coup, au début de Voyager, il y a un vortex qui les emmène dans le Delta Quadrant, et du coup, il leur faut 75 ans en théorie pour revenir. Ils sont tout seuls, leur vaisseau est tout seul dans un autre cadran, avec d'autres espèces, du coup, mais essayent de rentrer. Et du coup, on retrouve la Terre. Voilà. Ça aurait pu être dans l'idée ce que sombre comme Battlestar, sauf que tu finis avec un vaisseau qui a pas du tout fait qu'il se régénère tout le temps. Il y a pas vraiment de casualties sur l'ensemble de la série. Okay. Et pas de conflit surtout entre les personnages. Ouais. Alors et dès le premier épisode, ils travaillent ensemble. Oui, parce qu'effectivement, le rôle du Maquis avec Starfleet, etc., c'est aussi un parallèle qu'on pouvait faire. Le Maquis étant ce que le Voyager chassait, c'est un peu des résistants face à des envahisseurs. Ouais, d'accord. Qui ont splitté de la Fédération parce que la Fédération acceptait un contrat qui leur allait pas avec une espèce. Avec les Cardassiens qui sont un peu. Avec les nazis. Les Cardassiens Les Cardassiens, ouais. Pas les Cardassiens, les Cardassiens. Oui. Du coup, en VO, c'est Cardassians. Délire. Ouais. Ok. C'est assez drôle, du coup, dans les mêmes. C'est eux qui oppressent les pauvres Palestiniens Bajoran, tu vois. Ah ouais. Voilà. On a pas mal d'avis pour t'expliquer. Bah, non, mais c'est du bien, coup, Lore, ouais, j'en sortirai grand. Lore est un autre robot de la génération d'avant, Data, son grand frère, mais qui était juste avant, ouais. Apparemment, ouais. Qui était le jumeau diabolique par essence, voilà. Quoi. Parce que lui, en fait, il avait des sentiments, il avait des émotions, et donc, mais sauf qu'ils n'étaient pas les bonnes. Ah bah clairement, oui. Ouais, il était un peu fou aussi. Hein. Il y a un épisode super où Brent Spiner joue le rôle. Ça, il joue les trois rôles, hein. Il joue le. Il y en a un troisième. Ouais, mais déjà, il y en a un super, troisième qui s'appelle Before, mais on l'a vu que dans Nemesis. Et dans le tout début de Picard. Mais c'est lui qui est coupé en morceaux, en fait. Début de Picard. Ah oui, d'accord. Ah, oui, okay. C'est Before. Hein. Il s'appelle Before parce qu'il est venu avant. Oui, bah, mais du coup, ils sont faits à l'image de leur créateur, le Dr. Soon. Noon. Non, Soon. Qui, du coup, les a fait à son image. Et à un moment où il les invoque, il les fait venir à lui. Et du coup, il y a les deux. Enfin, ils jouent trois rôles, quoi. Deux qui ressemblent à Data, mais non, un connard et le docteur. Très bien. Et donc du coup, c'est lui qui, à mon avis, qui pourrait être potentiellement derrière tout ça, en fait. Ouais, c'est possible, ouais. Et pourquoi pas, allez, soyons fous, ouais. Une alliance avec celle-là, parce que du coup, c'est quand même deux personnages. Parce qu'en fait, dans Star Trek Next Generation, il y a quand même eu des méchants un peu emblématiques qui revenaient de temps en temps. Et bon, Lore, il a eu une conclusion, plus ou moins. Q aussi. Celle-là, pas du tout, par contre. Elle a été un peu oubliée. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était l'épisode de Unification avec Spock. Donc c'est un personnage qui pourrait très bien revenir. Et c'est vrai que ça serait pas déconnant que Lore revienne aussi, puisque, bon, bah, Bruce Maddox, on imagine bien que Before n'étant pas suffisamment une source pour lui, bah, ce serait tourné vers Lore, qui, j'imagine, que Starfleet doit bien posséder quelque part. Par contre, tu vas pas m'ôter l'espoir de voir Q à un moment, ouais. Je suis désolé. Ouais, non, ça serait. Ça reste au fond de mon cerveau. Franchement, ça serait abusé qu'ils le mettent pas au moins une fois, quoi. Bah, Picard va mourir dans la série, c'est obligé. Donc, il faut que Q revienne. Ouais, c'est vrai. Comme l'épisode où justement Picard pense qu'il va mourir à cause de son cœur, cet épisode-là était génial. Ouais. Où à la fin, il se demande, il sait pas s'il a rêvé, il est ou super. Si c'est Q qui est vraiment intervenu. Et que du coup, là, il y a vraiment cette notion de divinité, de presque de religion, quoi. Qui était plutôt pas mal, qui était plutôt bienvenu en tout cas. Que c'est un être du coup, ouais. Qui vit sur un autre plan, qui est un peu omniscient. Enfin, c'est une race techniquement les Q, et chaque individu est un Q du coup. Et en fait, il apparaît régulièrement dans la série, il est dans le pilote et dans le final. C'est l'antagoniste principal, on pourrait dire. Et John DeLancey. C'est pas un ennemi, c'est un antagoniste. C'est vraiment, il est pas forcément malveillant. Ouais, mais il est malicieux. Et donc, oui, Rios, on parle, quand il fait le pédigré de Picard, il parle, il dit bien que voilà, c'est le premier capitaine à avoir fait le premier contact avec les Q, bah, c'était Picard. Ok. Et c'est à cause de lui qu'on rencontre les Borg. Parce qu'il emmène. Pas tout à fait. Enfin, c'est grâce à lui qu'on les rencontre. Mais en fait, il fait ça pour les aider finalement, parce qu'ils vont les rencontrer tôt ou tard. Il le sait et il fait ça quelque part pour aider l'humanité à se préparer. Et il provoque leur rencontre pour aider l'humanité à se préparer. On le comprend pas tout de suite, mais après ça devient plus clair. Surtout après avec First Contact et l'épisode de Enterprise où on sait que oui bah voilà c'est une espèce de boucle temporelle qui fait que bah les Borg avaient vocation à venir sur Terre de toute façon.
Mais ce serait super si on avait Laure, Q et Cella dans les prochains épisodes. Et tout le monde revenait. J'y crois moyen, mais peut-être dans les saisons d'après. Ouais. Ouais. Mais Q, j'aimerais bien le revoir. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors, attends, je regarde mes notes. Moi, j'avais un truc à dire sur l'amour filial, en fait. Parce que j'ai trouvé que ce que faisait Seven au début de l'épisode, de tuer son fils virtuel, entre guillemets, j'ai trouvé que c'était très, très fort, en fait. Parce que c'est ce que elle fait... Elle le dit plus tard, hein, qu'elle se considère comme sa mère, et ce qu'elle fait par amour, parce qu'elle, voilà, il lui demande, et puis voilà, j'ai trouvé la scène très forte. Bah, elle l'appelle Mike. En fait, il y a toutes les scènes entre Rafi, oui, voilà, et en fait, voilà, ça m'a touchée, et ensuite il y a la scène qui est extrêmement violente, parce que là, on apprend aussi hein, des choses sur Rafi, le fait qu'elle s'est pas occupée de son mariage et de sa famille, qu'elle les a laissés, son fils lui son fils la massacre, mais il la repousse et tout ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un thème autour de l'amour. Moi, je voulais parler de cette scène notamment parce que c'est un peu tiré par les cheveux, non ? De quoi ? De Rafi, tu voulais parler là ? Ouais. Qu'elle arrive comme ça, je te laisse même pas parler avant, mais qu'elle arrive comme ça. Pile poil au moment où le gars il est à l'hôpital à faire les tests de grossesse avec sa femme. Mais c'est parce qu'elle l'a traqué. Ouais, enfin elle a fait exprès d'arriver au moment où elle va être confrontée avec sa femme, avec le gamin dans le ventre prêt à éclore. Oui, ça c'est un peu. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, mais elle arrive là. Oui, mais le timing par hasard. Pour arriver à ce temps. Elle aurait pu le choper alors qu'il venait d'acheter sa baguette à la boulangerie. Exactement. Ouais, ok. C'est vrai que j'ai même pas réfléchi à ça, c'est un peu abusé. Non, ce que je voulais dire par contre, c'est que je trouve que ça approfondit le personnage sur sa relation à Picard et sur pourquoi elle a un peu la haine. C'est que quand on pensait qu'elle le détestait parce qu'il avait démissionné sans se préoccuper de ce qu'elle allait devenir, là c'est un peu approfondi par le fait que il a pas juste démissionné, il l'a aussi laissé seul dans sa quête d'essayer de prouver que les synthétiques étaient pas forcément derrière l'attaque de Mars. Et qu'en gros, il n'a pas pu l'aider dans sa quête, ce qui l'a en plus séparé de sa famille derrière. Donc c'est pour ça que je comprends un peu plus le côté laisser tomber et pourquoi elle a la haine là-dessus. Je trouvais que ça corrigeait un peu le problème de l'épisode 3 où elle était un peu trop haineuse pour le compte ce que Picard pouvait contrôler. Pour rebondir là-dessus, depuis le début de la série, j'ai l'impression que tous les personnages disaient à Picard deux choses. T'es trop vieux et t'es trop Starfleet. Et plus il s'engage dans, justement, pas contre Starfleet, mais au moins sans eux, on va dire, pour l'instant, plus on lui dit ça, quoi. Et je trouve ça assez sympa, comme je disais, je connais pas trop, j'ai vu 2-3 épisodes dans ma vie, quelques films, et j'ai quand même cette image de Picard, le plus grosse représentation de Star Trek pour moi, sans connaître, reste Picard avec son putain de pull, là, et le petit logo Starfleet dessus. Et regarder enfin une série Star Trek et voir qu'on dit à Picard, ouais mec, t'es par contre là pour ce qu'on est en train de faire, t'es carrément trop Starfleet. On va prendre des petits chemins sinueux nous et puis on va faire ça homemade. Je trouve ça assez cool. C'est pas mal qu'on lui mette un peu souvent dans la gueule comme ça. Parce que lui, il est très solennel et alors bon, je sais plus qui dit ah ouais, on m'avait prévenu que vous faisiez des discours. Le gars est trop solennel tout le temps, il est trop vieux, trop solennel, trop Starfleet, et tout le monde fait que de lui dire quoi. Il lui dit mec, détends-toi un petit peu. T'es trop Picard, ouais. Quand c'est trop Picard. Il y a Rios d'ailleurs qui le traite de vieux dans cet épisode aussi. Il le dit en espagnol. Oui, non mais j'aime bien la relation qu'ils ont tous les deux, parce que du coup Picard lui aussi voit dans Rios du Starfleet matériel. Oui, quand il parle à l'équipage alors que c'est pas lui de le faire et qu'il s'en excuse. Ouais, dans l'épisode d'avant, ça, ouais. C'est l'épisode d'avant, peut-être, ouais. Je les ai matés tous d'un coup. Et même dans leur première rencontre dans l'épisode 3, il lui dit qu'il a tout du mec de Starfleet. Ouais. Quoi. Alors qu'il veut faire son rebelle ténébreux. Existentialiste ténébreux. Existentialiste. En même temps, si c'est lui qui a créé toutes ces IA avec toutes ses personnalités, il est plus fin que ça derrière, quoi. J'ai hâte de découvrir d'autres IA. J'étais un peu dégoûté qu'on voit pas assez d'IA. Dit Rios dans cet épisode. Ouais, c'est un peu comme les Pokémon, faut les attraper. Il y a déjà beaucoup de choses dans cet épisode, on verra plus tard. Ouais, il y a beaucoup de choses, ouais. Et moi, c'est mon nouveau personnage préféré pour l'instant. Ouais, il est bien, ouais.
Il est passé à ça d'être détestable, mais il est bien. Et ben c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter avec, comme c'était un peu la fête avec des déguisements, etc., une planète un peu casino, ben je vous propose d'écouter Trekkies and We Know It, une parodie bien sûr dont le lien vous retrouverez ben, dans la description. Alors sur ce, longue vie et prospérité. Salut. 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 Look up in the sky, see a robot in the Enterprise. Hailing frequencies, let them know this the Federation fleet. We bow to go where no man has gone before. But God says to make it so, so don't give me warp 3, cause it's time to go. Yeah. Just beam me up, Scotty. Just beam me up, Scotty. Just beam me up, Scotty. The Galactic Kirk out. Just beam me up, Scotty. Just beam me up, Scotty. Just beam me up, Scotty. The Galactic Kirk out. When I walk in the cone, this is what I see. All the other spots start staring at me. With a passion in his hands, don't be afraid to show it, show it, show it, show it. We Trekkies and we know it. We Trekkies and we know it. Program complete.